Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va super, donc on se retrouve pour notre petite vidéo spéciale Halloween. Donc nous sommes en moins 1, 22 à Macna pour l'ouverture du donjon, donc on va y aller. Apparemment c'est assez chaud comme truc. Je vais téléporter tous les membres. Alors, on va rentrer déjà dedans. Bon, logiquement, je les ai TP, donc ils vont bientôt arriver. Bon, apparemment, il paraît que le donjon est très 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 chaud. Puisqu'il y aurait des mobs avec des 1500 de vita ou des trucs comme ça, donc ça me fait assez peur. Mais bon, c'est le principe d'Halloween, hein, vous allez me dire, mais ça va pas l'air d'XP énormément. Alors, faudrait qu'ils arrivent. Limite, je vais faire pause et je vous reprends quand ils sont là. Donc voilà, tout le monde est arrivé, donc nous avons un petit nouveau qui vient d'arriver, Skyhunger, sacré niveau 190, donc moi niveau 190. Nous avons Elite, le Zobal 183 et Gourouit, un sacré niveau 150. Donc on est une team de 4 persos. Techniquement, vu les niveaux des persos, logiquement ça devrait aller. Et apparemment, bah, ça a l'air quand même assez chaud comme truc, donc... Donc on va essayer, hein. 1400, 1500. Je leur demande si on fait des tchals ou pas, bah apparemment non. On va aller au cake directement. Hein. Si c'est pour speeder, ah bon, on va speeder. Ah, apparemment, la grosse citrouille se rend invisible. Et ça, il enlève 50 de puissance à chaque fois qu'il nous tape. Que je vais peut-être faire, c'est je vais faire, on va dire, le premier tour en entier, et puis après je ferai je vais comment dire, mettre la vidéo en pause et comment, et vous reprendre à la fin du combat, parce que sinon je pense que le donjon, même si on speed, ça va mettre pas mal de temps. Oula, nouvelle personne dans la guilde. Donc oui, je répète une dernière fois avant qu'on me pose encore 50 000 fois la question. La guilde est ouverte à tout le monde. Donc on est déjà 40. Donc voilà, on speed. Enfin, quoi que non, je veux quand même vous garder tout le combat. Ça a pas l'air de durer trop trop longtemps. Donc voilà, ça a l'air quand même assez chaud, je dirais, comme, comme donjon. Donc faut pas y aller genre tout seul, parce que je pense pas que vous allez gérer. Mais ça a l'air quand même assez chaud en tout cas. Il va avec la Furia. Il aura peut-être dû faire sur lui, mais bon. C'est pas trop grave. En plus de ça, avec le Zobal, ben, il va pouvoir nous protéger, donc on subira pas de trop. Et que les deux sacris, logiquement, s'ils sont bien boostés, ça devrait faire bien mal. Sacri R d'un côté et... Bon, je dirais... J'ai pas fait attention avec quoi il tapait. Même à mon avis, Sky, il doit taper R aussi. Je bouge un petit peu. Alors... Il reste plus que un tofu. Enfin, chauve-souterie et l'anverne. Je vais essayer de rester en... Comment dire?
en normal. Bon, non, je vais laisser la grille parce que sinon je vois pas où je tape. Bon, il est R aussi apparemment, Skyhanger, donc tant mieux. Alors, on drop des sucettes. Ah oui, c'est les fameuses sucettes qui invoquent des petits mobs comme ça. Ce qui est à la prune. Enfin voilà, ça ramène pas mal de trucs. On est déjà à la salle 2, donc vous pouvez voir, hein, le donjon est ouvert depuis même pas une heure, c'est bondé de monde. C'est bizarre qu'il y ait que 5 monstres ici. Bizarre. Alors, faudrait. Ouais, il y a Babtou. Ouais, c'est lui, guerrier Babtou. Donc, lui, c'est notre spécial cosplay, je dirais. Je sais pas comment on dit ça, mais c'est le gars. Il a tout le temps des trucs stylés. Il a toutes les petites panneaux. Enfin, c'est vraiment un des persos les plus stylés du serveur. Il a été plusieurs fois Mister Amakna, donc c'est pas n'importe qui, on va dire. Oh. Il s'est fait sortir de son combat, c'est bizarre. Non. Non, ça va, c'est Sky qui l'a eu. Donc alors là, le cauchemaracne, ça c'est un nouveau mob qu'on a parlé dans le Dofus Time hier, en tout cas je l'avais vu. Ouais, j'ai quand même resté un peu plus loin parce que si jamais ça tape et tout ça, ben pas envie de me prendre des dommages. Alors 1700. Alors, elle met des glyphes par terre. Je préfère l'en sortir, hein, parce que j'ai pas envie de voir ce qui se passe. On va bien voir ce qui se passe. Ouais, il se passe rien du tout, en fait. Alors, on va regarder Cauchemarac. Non, elle a rien lancé. Mais il y a des glyphes par terre, c'est bizarre. Ah, d'accord. C'est censé représenter une toile d'araignée. D'accord, je viens de comprendre. Bien vu. C'est vrai que quand on regarde comme ça, comme elle l'a lancé ici, bah, elle a fait sa toile tout autour. Pourquoi pas? À mon avis, les glyphes ont une signification, mais je préfère pas aller dedans pour voir. Un petit conseil si je peux vous donner, c'est buter les lanvernes en premier parce qu'elles se mettent invisibles. Donc, tant qu'elles sont visibles, les buter. Alors oui, je me mets pas en tactique parce que voilà, on n'est pas en Coliseum. On n'a rien de super beau, enfin de super tactique à faire et je préfère apprécier le décor. Comme c'est un nouveau donjon pas trop connu parce qu'il vient d'ouvrir ses portes. Et voilà, encore une personne qui veut rejoindre la guilde. Alors, on va se décaler, on va lui mettre des espingoles. On va faire le tour. Pourquoi ça me bloque? Enfin, ça c'est pas grave. Alors, déclenche toile, cauchemar, hein, elle a gagné 2 PM. À 2. Donc apparemment, ça augmente les PM quand on reste dans son glyphe, mais ça augmente l'araignée. Je vais quand même vérifier. Déclenche toile, hein, l'envers. Ah ben non, quand on se met dedans, en fait, on gagne 2 PM. Tant mieux, hein, j'ai envie de dire, c'est toujours ça de gagner. Ah, on a fait comme une dérobade, c'est bizarre. Non, tu vas taper dans le vide. Ah non, c'est bon. Bizarre comme ça. Par contre, c'est vrai que c'est quand même chaud parce que franchement, pour un donjon qui est... en général, quand on fait des donjons, genre pour Noël et tout ça, ben, y a pour tous les niveaux. Là, ça a l'air quand même d'être assez...
d'être assez chaud quand même, parce que les mobs ont l'air de pas taper tant que ça. J'ai pas encore pris un dommage, donc je sais pas trop, mais ça a pas l'air d'être super super facile. Donc à voir, hein. Moi pour le moment, bah, c'est pas trop trop dur, j'ai envie de dire. Mais bon, parce que en même temps, on a la team, hein, niveau 199 deux fois, 150 et 183. Et elle est où? Apparemment... Oh, j'ai pensé que c'était fini, il y en avait encore un. J'avais pas vu. Donc voilà, la salle 2 est terminée. Franchement, c'est XP pas trop mal, je trouve. En plus, moi, j'arrête pas de dropper blindés de trucs. C'est bien, je vais les garder pour si jamais... pour l'occasion. Donc alors là, cauchemaracne. Ah, il y a un livre que... Alors, malédiction d'Halloween. Si vous voulez lire, suffit de faire pause et comme ça vous lisez. Je vous les passe vite fait. Voilà, moi je les lirai peut-être par après, je pense. Je vérifie s'il n'y a rien d'autre d'actif. Apparemment non. Donc on va y aller. Hein. Il y a Elite qui lance. Chauve petite rouge, je la garde pour moi. Même si je pense que la cauchemaracne, ça doit être dans les plus importants à tuer en premier, mais bon. Franchement, les maps sont magnifiques, je trouve. Franchement, ils sont... À mon avis, ils ont mis du temps à faire les maps. Franchement, elles sont belles. Donc, en passant, quand mon tour va être fini... je vais vous montrer, faire un petit tour de la guilde, parce qu'on commence quand même à être pas mal. Voilà. Alors, on va faire un petit tour. Donc voilà, on va être 40, 41, donc puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui va se rajouter. On est déjà niveau 13. Je vais vous montrer un petit peu les niveaux. Franchement, il y a vraiment de tout. Et on a 199 quand Torage but. Et le plus petit, il est niveau 5. C'est méthamphétamine. Et alors, niveau XP. Pour moi, c'est qui XP le plus. C'est Enveline. C'est un pote à moi, c'est Toby. Pour ceux qui connaissent, Héraclès a XP pas mal aussi. Moi je suis à 40 000. Bon, j'ai mis 90% pendant genre une heure avec la bourgade avec le sacri. Mais ça XP pas tant que ça. Donc j'ai arrêté. Je me suis mis à 5%. Et puis ça montera tant pis. De toute façon, le niveau de la guilde, c'est pas le plus important. Tant qu'on est niveau 10, on peut avoir une maison, un enclos et tout ça. Donc voilà, il y a franchement une ambiance de malade. Là, je leur ai dit de pas trop parler parce que je suis en vidéo. Mais sinon, vous n'imaginez pas, il y a mon chat, il est vraiment spam là, carrément par eux, tellement ils arrêtent pas de lâcher des conneries. Merde. J'ai fait un coup dans le vide. Alors, champetrouille, c'est un nouveau mob, niveau 100, 1500 de vitalité. Il tape pas mal, je trouve quand même. Il enlève des résistances de dommages de poussée. Ah, c'est bizarre ça. Et Locke était pas au courant que je filmais. Je lui préviens. Donc je vais vraiment essayer de faire le rendu le plus rapidement possible pour vous le présenter. Je crois apparemment il y a Jagus le Fun qui a fait une vidéo par rapport à ça qu'il a déjà posté. Donc je sais pas faire des miracles. Alors, la chope. Bah franchement c'est pas trop trop dur en fait pour le moment. Bon, par rapport à notre niveau en même temps. C'est vrai que c'est quand même chaud pour des niveaux, on va dire, plus niveau 100. Parce que comme la cauchemaracte, elle a 1600 de vitalité. Bon, elle est morte. C'est chiant, son truc. On dirait une dérobade. J'arrive pas à la tuer. Saleté de chauve-souris. Ça c'est bien quand même de pouvoir mettre la barre de chat en l'air.
Franchement, pour les colis commentés, tout ça, c'est vraiment le pied parce que parfois on doit la retirer, donc on se retrouve comme ça, on sait plus c'est à qui de jouer. Voilà, il manque plus que moi en fait. Ah non, il y a encore la chauffe machine. Ouais, ça tape quand même fort, hein. On dirait pas comme ça parce que voilà, on a beaucoup de vitalité, mais franchement, ça tape fort. Voilà. Moi, je vais la terminer aussi. Ok, il a fait une coop dans le vide. Faut pas chercher à savoir. Voilà, troisième salle terminée. J'ai encore. Merde, j'ai pas même pas eu le temps de voir ce que j'avais droppé. Bon, il y a toujours un même. Ah! Un genre de melou. Le dévoreur. Ah oui, on en avait parlé aussi. Alors, je vais reprendre ma vie. Encore une map sublime. Voilà, c'est parti. Skyhunter qui a déjà lancé, j'ai même pas eu le temps de dire ok. Alors, le dévoreur. Moi, je vais le gérer de loin. Il a une tête de citrouille. On va le regarder, on va faire un petit zoom. Il a une tête de citrouille. Et avec un corps de melou, c'est bizarre. Pourquoi pas, hein. J'ai quand même resté à distance parce que j'ai quand même peur. J'imagine bien le truc qui est en CC va te taper du 500. Enfin, je vais revenir le truc à la con. Bah non, il a que 2400 de vitalité apparemment. Je fais juste un petit tour sur mes drops pour voir un petit peu ce que j'ai droppé. Donc hier j'avais eu ça. Ça rajoute un petit champignon comme ça. Ah non, c'est une chauve-souris. Alors lui, c'est un suc. Votre agilité en échange de. Ah oui, ça je voulais vous montrer les surprises de tricot triple. Ça peut se dropper sur n'importe quel monstre. Hier j'en ai droppé. J'étais à la tourbière, j'étais en train de taper des rois singes. Et j'ai lancé le machin comme ça au hasard. Et je me suis retrouvé avec un bonbon Sasa pendant plus 50 Sasa pendant 5 combats. J'ai fait oh, c'est bien. À la fin du combat, j'en ai redroppé un. En fait, j'ai passé ma soirée sous bonbon. En fait, j'ai pu XP pas mal. Je crois que je me suis fait 10-12 millions. Je vais regarder. C'était juste après le colis. Ouais, j'ai dû me faire 10-12 millions plus ou moins, donc c'était pas mal. Pour ceux qui veulent des bonbons faciles, ben, vous pouvez en avoir avec ça. Voilà, un petit plastron à 600, ça fait toujours plaisir. J'ai pas regardé ce que le dévoreur avait fait, donc on va regarder. Alors, ah ben, il est là. En fait, c'est un gros melou qui tape 4 fois, en fait. 3 fois. Non, 4 fois. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Une folie sanguinaire. Voilà, je crois que le truc, c'est on va focus l'arachne. La cauchemarachne, pardon. Et ensuite, on va s'attaquer au dévoreur. Bon, il a plus de PA. En plus, comme ils sont bien placés, je vais pouvoir taper à la boomerang. Voilà. Bon. On va se rapprocher, on va montrer un petit peu qu'on est un roublard. On va mettre une bombe, comme ça il va s'acharner sur la bombe plutôt que nous. Apparemment, il y a une nouvelle panneau aussi disponible. Je sais pas, c'est peut-être des ressources à drop ou quoi, mais en même temps, on a droppé que des sucettes pour le moment. Donc on verra bien. C'est peut-être sur le dévoreur, on va peut-être en dropper. Je vais regarder si dans les recettes associées, non. Ouais, non, j'ai rien droppé d'autre. Voilà, encore une personne dans la guilde. Occupé, ça j'adore, ça les gens ils te demandent et puis après on peut... et puis après ils vont faire ah ouais merde, je pouvais pas l'attaquer. Enfin, je pouvais pas l'inviter, pardon. Voilà, il y a déjà plus de dévoreurs.
On va t'appeler le champ pétrouille. Logiquement, il me tacle pas, donc voilà, je peux aller au cake. Ouais, 3 CC en plus, c'est parfait. Ah ouais, je voulais aussi vous montrer, je me suis payé hier avec les almatons la vocation d'Arachne. Ça faisait super longtemps que je voulais la voir. Et je l'ai enfin, donc je suis super content. Elle fait rien de superbe, mais franchement, je l'aime bien. Hier, je l'ai mis niveau 1, je crois qu'elle tapait du 60 ou du 70, donc franchement, c'est pas mal. Et on va terminer l'Anverne, je pense que c'est déjà la dernière salle en fait. Parce que le dévoreur, bah, il a pas. Enfin, il avait l'air d'être un boss ou un truc comme ça, ou je sais pas trop. Âge du guerrier Zot. Logiquement, Sky va le terminer. Oh, il a fait une folie sanguinée. Et voilà, il termine. Alors, 600 000 XP avec le Chal, franchement, c'est pas mal du tout. Alors, on a droppé. Un truc. Gumise. Détail. Halloween gave un dévoreur de Gumise en seulement et fonctionne. C'est encore un truc pour invoquer. Donc là on est à la dernière salle. Ah bah en fait c'est terminé. C'est déjà terminé. Demander à sortir du donjon. Ah c'est vrai, on n'a pas eu les mottes. On l'aura peut-être en sortant du donjon. Alors, là il y a un petit bonhomme qui veut que je l'invite. Voilà. Je vérifie s'il n'y a rien d'autre que je peux vous montrer. Non, ben voilà, ils ont posé un perco pour rien et en fait ici. On va parler à Monsieur Halloween, demander à sortir du donjon. Attaquer Halloween. Oh. Ah. C'est pas fini. Bon bah tant mieux. Il y a un combat contre... Ah bah contre Halloween. Sort du donjon et attaque Halloween, voilà. Donc là on a juste une cauchemaracne, un champ pétrouille, un lanverne, un Halloween. Il n'y a même plus de dévoreur. C'est dommage. Oui. Voilà, il manque plus que Gourou. Voilà, il est là. Donc on peut y aller. Bon, je vais encore me tenir à l'écart. Je vais pas... Bon, il est niveau 100, quoi, quoique. Je vais pas me tenir à l'écart. Je vais rester pas trop loin non plus. Donc c'est parti pour le fameux boss d'Halloween. Je vais baisser ça pour qu'on voit un petit peu la maison. Alors, il est niveau 100. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il a 3000 de vita, 12 PA, 5 PM. Le Chal. Ouais. J'ai même pas regardé combien c'est XP. Bon, l'autre salle c'est XP 600 000 quand même, donc c'est déjà pas mal. On va faire le Chal qui est pas trop dur. On va bien voir après Sky pour voir combien il tape, ce qu'il fait comme truc. Voir s'il met pas un état. Alors il fait citouille explosif, il tape en zone, il attire et il augmente la... Ah, il augmente sa vitalité pendant 3 tours. Pourquoi pas. Bon bah il a pas l'air super dangereux. En même temps ça fait qu'un tour, donc il peut l'augmenter pendant 3 tours. Donc on est dans sa toile. Cauchemarac augmente sa toile. Ah d'accord, faut finir dans le truc pour pouvoir avoir les paiements en plus. Ah non. D'accord, en fait grosse explication. Quand les monstres terminent leur tour dans le glyphe, ça augmente les PM de 2 à E. Mais par contre, si on termine le tour nous
dans le truc, ça nous enlève 2 PM. Voilà, évitez de m'inviter comme ça. En plein combat, en même temps, ils peuvent pas savoir. Évitez de m'inviter en groupe parce que envoyez plutôt un MP pour me demander avant, je préfère en général. Donc voilà, il va la terminer. Encore un coup, voilà. Maintenant. Ouais, on va taper à Louis. Franchement, il tape bien, je trouve, Sky. Un bon petit sacré. Il fait des bruits bizarres en tout cas. Voilà. Oh, à la limite, on va faire un dernier saut sur tout le monde pour augmenter leur, leur pourcent de dommages. Il a encore combien? 3600. Attendez, on va regarder ses boosts. Alors. Oula. Il a augmenté de 8000 de vite. Non, 1800. De vitalité, pourquoi pas. J'ai envie de dire, je suis un peu sans voix par rapport à ça. Bon, il est déjà mid life là, donc il n'y a pas trop de soucis, mais bon, si Sky fait des beaux dommages, il devrait pouvoir le terminer déjà. Allez, fait des CC encore. Voilà, donc il y a déjà plus d'Halloween qui va aller au cake de la règle. Voilà. Je vais aller au caca aussi. Et je fais des jets de merde. On va faire un petit rebours sur Sky. Oui, donc capitulation, mon petit sacré, il est niveau 150 pour ceux qui veulent savoir. Plus que 18 levels avant un changement rigoureux de panneau. Mais je pense que je vais vous faire un épisode à partir du niveau 150 pour plus ceux qui en ont marre de la bourgade et qui ont envie de faire autre chose. Attendez, il m'a dit quelque chose, j'ai pas vu. Cool, et on est proche de la prochaine vidéo, ouais. Du coup aussi, pour ceux qui savaient pas, petit raccourci, vous cliquez sur votre fenêtre n'importe où et vous appuyez sur le bouton plus de votre clavier pour augmenter la zone de chat. Pour aller beaucoup plus vite. Regardez. Tac 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 tac. J'ai découvert ça hier, c'est parfait, c'est super. Et voilà, c'est terminé. 850 000 XP. Et j'ai droppé Rouflaquette d'Halloween. Et alors le perco a droppé Chico d'Halloween. Et parchemin d'attitude d'Halloween, c'est parfait. On va bien voir ce qu'on peut faire avec ces fameuses rouflaquettes. Recette associée. Ah ben on peut faire la fameuse panneau. On va regarder si on peut voir déjà. Non, les bonus sont masqués. On va essayer de activer tout. Voilà les bonus de panneau. Ça fait pas mal de trucs. Supprimer. Bon voilà hein. La fameuse panneau d'Halloween, elle est là. Elle est assez stylée. Vous avez le titre citrouillère. À mon avis, les rouflaquettes, on va devoir... Enfin, moi, je vais la mettre en vente. Je vais pas me faire chier à la faire, puisqu'il en faut déjà 4 pour faire un seul item. Donc, laissez tomber, j'ai envie de dire. De toute façon, je pense que Giribaptou va farmer le donjon pour pouvoir le faire. Je vais juste regarder si on sait pas crafter la clé avec ça. Non. Bon, on sait pas crafter la clé. Donc si je vais regarder si là il n'y a personne qui a une clé, non. Alors. On va lui reparler. On peut plus. Bon bah c'est bizarre. C'est pas très très bien.
très bien expliqué, mais c'est pas trop. Enfin, moi, c'est bon, je l'ai fait une fois. Je vous ai fait la vidéo, je suis content. Je vais juste aller lancer le parchemin de commande d'attitude pour vous le montrer. Et comme ça, je vais le découvrir en même temps. Parce que je sais pas du tout à quoi ça peut ressembler. Alors, on va aller là, parchemin Halloween. Voilà. Nouvelle attitude. On va faire un gros zoom sur soi-même. Et ça fait rien du tout. What the fuck? Faut peut-être descendre. Ah ouais, voilà. Faut descendre de la. Oh, stylé. Faut descendre de la. J'ai bouclé. Hein, franchement, c'est pas mal. Ça monte notre citrouille d'Halloween. Je vais vous le remontrer. Hop, s'il veut bien, voilà. Il a fait trembler, ça fait de la lumière et on la garde en main. Mais par contre, c'est con qu'on peut pas le faire en étant sur la DD. C'est un peu dommage. Donc tant pis, hein. Donc voilà, on va se couper sur ça, hein. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo si vous avez apprécié. Et mettez un petit pouce vert pour faire avancer ma chaîne. Donc voilà, merci à tous.